Oh, toi aussi tu en as marre de ne pas pouvoir regarder tes Disney préférés en garglanien? Taramisaka carabine. Unabakasamimisiku. Grâce à NordVPN, tu peux te connecter sur les Disney Plus du monde entier et regarder tes Disney préférés dans toutes les langues que tu veux. Silamali. Calisto, Malista, Karma, Shiripolo. Tu ne veux pas louper ça, pas vrai? Nous non plus. Samagali, Tamalatushi, Melaketo, Malitestani. Va tout de suite sur le site avec le code SUS, et... Salagadou, la Magica Pou. Roula Kapala Talto, la Kunabida. Tu obtiendras une réduction incroyable de moins 70%. Ubarashni, Umalaka au chocolat, Umavalakuti, Karichiki, Oula mange à la Tchouki. C'est la mani, la Smalagar Katala. Et coucou, c'est les successeurs. Pour parler d'un petit sujet. C'est un truc qui nous tient un peu à cœur. Parce ouais. Que... Donc, bah, comme vous le savez, il y a le Mulan Live qui va bientôt sortir donc, au cinéma. Mmh. Et on a déjà beaucoup de critiques comme quoi bah, il n'y aura pas Mouchou. Et on voulait en parler tout simplement parce qu'en fait, on ne comprend pas trop ce que... Peut-être, dites-nous bah, vous, hein, bien sûr, ce que les gens veulent. Voilà. Parce que le Roi Lion... Alors, nous, on est les premiers à se plaindre qu'il est trop pareil. On a peut-être fait un avis dessus, je ne sais plus. Mais qui n'a bah, pas voilà, d'intérêt. En fait, on a l'impression que finalement, les gens ne sont jamais satisfaits, entre voilà. guillemets. Parce que oui, on ne peut pas être satisfait complètement, mais il y a toujours des choses... des critiques qu'on peut avoir, mais le Roi Lion, voilà, ça a été copié-collé, ça a été trop réaliste, enfin, justement, ça, on voulait que ce soit trop réaliste, donc voilà. Les émotions des... Enfin, ils ont des émotions... Ils font très vrais animaux, mais en même temps, ils ont des émotions qui essayent d'être humaines, mais en même temps, pas trop, parce que sinon... Bah, bah ça fait pas animal réel. Voilà. Et ça fait du coup, ça fait pas donc animal voilà, il y a réel. Eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Sur d'autres films live, qu'est-ce qu'il y a eu Bah, il y a eu Peter et Elliot qu'on n'a pas vu, mais bon, on nous a dit que c'était beaucoup trop différent, que ça... Voilà, enfin, un coup, en gros, les gens se plaignent parce que c'est trop pareil, un coup, ils se plaignent parce que c'est pas du tout pareil. Et là, le truc qu'on a entendu, enfin, qui fait le plus... qui fait le plus de buzz, c'est ceux qui disent, il n'y a pas Mouchou, c'est pas Mulan. Voilà. Vous avez pas encore vu le film, attendez, enfin... Oui, bien sûr, et puis... Ça peut être très bien réalisé, ça peut être au contraire un peu plus sombre, peut-être un peu différent, et peut-être que Mouchou sera là tout en n'étant pas là par autre chose, on sait pas. Ouais, apparemment, il y a une espèce de phénix porte-bonheur ou quelque chose comme ça, donc... Après, le truc qu'il faut bien retenir, c'est que Mulan, comme pratiquement tous les Disney, en grande majorité du moins, Mulan ne vient pas de Disney, ça vient d'une légende et il n'y avait pas forcément d'histoire de dragon, c'était même pas magique en fait l'histoire de Mulan. Allez voir notre véritable histoire, oui, ou même bah, le zoom oui, sur Mulan consacré à Mulan. Mouchou il a été créé uniquement par Disney quoi, donc il n'y a pas... Voilà, et puis le fait qu'il y ait une sorcière, moi je trouve que, voilà, parce que c'est pas un spoil, mais bon, il y a une sorcière, ça va mettre de la magie dedans, c'est pas mal. Le seul truc qui coupe un peu, ce que je trouve dommage, moi, et là par contre, ça n'a rien à voir avec le film, c'est par rapport au réalisme du truc, c'est apparemment, Mulan n'a pas du tout les cheveux courts, en fait. Donc du coup, oui, il y a juste une histoire de cheveux, oui. Voilà, je ne râle pas, je dis juste qu'elle est censée... être très différent d'une femme, alors que couper les cheveux, peut-être qu'elle les avait très longs et qu'elle va se les couper là, mais je veux dire, normalement, pour ressembler à un homme, tu... Bah, tu ratiboises, hein. Voilà. Mais bon, voilà, donc c'était juste pour vous dire qu'il y a... Voilà, on annonce un film, il y a une bande-annonce, et ça y est, il n'y a plus Mouchou, bah... Je comprends, Mouchou, c'est sûr, c'est un personnage phare de Mulan, mais... bien sûr. Attendez de voir le film avant de critiquer en soi, quoi, parce que c'est peut-être justement une volonté aussi, on va peut-être comprendre pourquoi il n'y a pas Mouchou en ayant vu le film, ça se trouve. Ou sinon, après, il faut choisir, soit vous voulez vraiment bah, que des films comme Le Roi Lion ou La Belle et la Bête, et encore La Belle et la Bête, il y a eu des petits... Il y a des trucs différents. Des petits trucs, même si, voilà, je voyais pas non plus trop l'intérêt,
Mais alors que là, Mulan, je pense que j'ai jamais été autant hypé. Alors que Dumbo, j'avais pas trop envie de le voir. Je crois qu'on en a parlé aussi. Ouais. Voilà, il était à voir, il y a pas de souci là-dessus. Et lui, pour le coup, ça valait le coup d'aller le voir. C'était vraiment un film différent. Voilà. Moi, je suis content parce que j'aurais vu Mushu. De toute façon, t'aurais vu un Mushu en 3D et tout. Franchement, ça t'aurait pas un peu freiné. Ça aurait fait le petit truc cartoon, un peu comme les Sonic, un peu comme les Alvin et les Chipmunks, un peu avec tous ces personnages en 3D. Je pense qu'ils peuvent trouver un moyen de l'amener, le personnage, enfin, d'y faire référence du moins, oui, sans qu'il soit dans le film. Peut-être qu'ils vont appeler un personnage qui va beaucoup aider Mulan, Mushu, ou et puis cette sorcière, elle a l'air de péter la classe. Enfin, bah moi, je demande qu'à voir ça. Apparemment, elle a l'air de représenter le faucon qui est avec Shan Yu. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, parce qu'elle a des serres à la place des. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi en voyant la bande-annonce. Donc en tout cas, on vous en fera sûrement un retour parce que c'est le genre de film qu'on va sûrement courir voir. On va aller voir, ouais, c'est sûr. Donc, et on verra bien. Mais voilà, on voulait juste, c'était un mini coup de gueule pour dire qu'il faut arrêter de critiquer sans bah déjà voilà, sans avoir vu. Mm-hmm. Et puis après que bon, moi pour moi les films live, je comprends pas l'intérêt, à part le fric comme on l'a dit. Bien sûr. D'en faire. Et puis maintenant, ils font que ça, annoncer des films live. La petite sirène a bien été annoncée, là, ça y est. On a vu qu'il y aurait réponse, enfin, de trucs... Oui, alors qu'il vient à peine de sortir, oui, mais bon... Enfin, bon... Notre avis sur les films live, vous le connaissez voilà, déjà. Voilà, vous le connaissez, bon, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est justement, le fait de faire un film live, c'est pour le modifier. Oui. Sinon, voilà, pour moi, c'est ça, faire un copier-coller pur et dur. Parce qu'on le rappelle, Princesse est la plus grande fan du Roi Lion, c'est voilà, son c'est Disney ça. Préféré. Après, c'est... voilà, encore une fois, visuellement, je l'ai trouvé très joli, machin, tout ça, mais aucun intérêt d'avoir fait ce film. Voilà, ouais. Bah, tu l'achèteras pas en DVD, on l'aurait, non. T'as pas envie de le revoir forcément. Non, pas spécialement. Oui, voilà, bah voilà. Mais c'est bien de l'avoir vu, mais oui, c'est voilà, une fois, ça suffit. Voilà. Donc, Mulan, par contre, je suis vraiment très curieuse et. Moi j'ai beaucoup d'espoir, alors peut-être que c'est ça qui nous fera tomber dehors. On est déçus, hein, c'est possible. Voilà. Mais voilà, en attendant, on critique pas, on n'a pas vu. Voilà. Attendez. Et se trouve, on sera les premiers à cracher dessus. C'est possible, mais bon. Mais je pense que Mushu n'aurait pas aidé à faire en sorte que le film soit plus vu que ça. Non, moi, je vois pas la petite mascotte dans le truc. Enfin, la question à laquelle on aimerait que vous répondiez, en fait, en commentaire, ou peut-être que je mettrai un sondage, c'est, vous préférez un film où c'est exactement la même chose, avec des plus beaux graphismes, hein, ça on n'est pas contre, tout à fait, hein. C'est juste dommage d'aller voir deux fois le même film. Sans pseudo d'ailleurs est le premier à boycotter, ça y est, il va plus voir les films, ouais, il va plus les voir. Bon. Les films live, une adaptation. En fait. Ouais. Donc soit vous êtes du côté de, voilà, on fait la même chose mais en plus beau comme ça, il faut pas toucher, il faut que ce soit net et précis pour pas toucher à l'ancien film, ou est-ce qu'il faut essayer de faire comme Mulan, de faire un gros changement comme le fait d'avoir remplacé Mushu peut-être par un phénix et d'avoir mis une sorcière, enfin. Dites-moi, je suis plus sur le deuxième cas. Pourquoi aller voir un film qu'on a déjà vu? Bah ouais, voilà, c'est beaucoup plus intéressant d'être surpris à nouveau, de dire ah bah, ils ont mis ça en plus. Des gens vont nous dire ouais mais La Belle et la Bête non, les successeurs vous vous trompez, ils ont changé les trucs, ils ont fait des petits, mais ça reste la même chose, les plans sont pratiquement les L'histoire mêmes. L'histoire est la même. Il y a des petits détails, mais comme on a déjà parlé, on a même fait un live avec PixieTubeuse là-dessus. Oui. On a fait un gros live là-dessus. Et tout ça pour se rendre compte en fait que ça nous a posé plus de questions, oui, que ça nous apportait de réponses, donc du coup on était perdu, enfin ouais, au final, on a beaucoup parlé, été plus sceptique après en réfléchissant au film, voilà. On se disait mais ça c'est pas logique, et il y a ça, et pourquoi il y a ça, et finalement on sait et pas. Et du coup à la fois il a pas d'intérêt parce que ça reste la même chose, et en même temps tu te poses des questions que tu t'aurais jamais dû te poser. Voilà, c'est ça. Enfin, Donc, pour l'instant, hélas, il n'y a pas beaucoup de films live. Non, voilà, pour l'instant, les films live, moi, à part Maléfique, mais bon, oui, c'est pas mais tout là, à fait ils sont partis histoire, sur... voilà, c'est une et juste, histoire c'est peut-être pour ça, justement. Bah ouais. Parce qu'il n'y a rien qui rentre en contradiction, c'est ça. Parce que en sinon... fait. Le 1 et le 2, d'ailleurs. L'intérêt, quoi, bon, ils sont jolis à voir, ils sont sympas, tu passes un bon moment, mais bon... Au jour où on fait cette vidéo tout de suite, les seuls qu'on n'a pas vus, c'est Peter et Elliot, tous les deux, oui, et Aladdin, et tous, Aladdin les deux. Tous les deux. Mais Aladdin, on va le regarder. Non, normalement, c'est prochainement. Le jour où vous voyez cette vidéo, on l'aura vu. Voilà, c'est très prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à vous à nous dire en commentaire, parce que je suis perdu, je sais pas, il y a tellement de sortes de fans Disney différents que je sais plus sur quel pied danser. Je commence à dire, ça se trouve, on est des vieux fans Disney, je sais pas. Je sais pas, ouais, non mais c'est bizarre. Après on sait que le Roi Lion a explosé, mais c'est pas un problème, c'est le Roi Lion, c'est pas non plus une surprise exceptionnelle, mais voilà, au niveau
artistique, enfin pas artistique, mais scénaristiquement, ça m'a fait rien ressentir de plus. Hein, donc Mulan, c'est pour ça que je suis pressée. Oui, bah, y avait ces histoires d'émotions par rapport aux animaux, mais voilà, le dessin animé original est beaucoup plus... Ah oui, mais ça, je suis bien placé pour le dire. Mais voilà pourquoi Mulan, on va pas être surpris, il va pas y avoir des morts dans Shenmue, enfin si, Shenmue sûrement, mais il va sûrement pas y avoir des morts au niveau de Mulan, au niveau de Shang, peut-être s'ils font mourir son père, ils peuvent nous surprendre, je demande que ça, mais... Je m'attends juste à avoir un super beau film, mais je sais que voilà, en règle générale, je pense pas qu'ils nous surprennent au niveau scénaristique, ils vont rester quand même. Ils vont rester assez fidèles, je pense, c'est ce qu'on connaît, et pour justement pas trop... Donc voilà, vivement, on essaiera de vous faire une vidéo hein, quand on ira le voir, et on vous tient au courant, et dites-nous tout ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, parce que du coup, nous, on est perdus. Bah voilà, c'est ça, on sait plus trop comment réagir. Est-ce qu'on est devenus des vieux cons? Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais est-ce qu'on est devenus des vieux cons à dire, bah c'est pas grave, c'est pas Mouchou, en fait. C'est que les gens sont trop fans. Qu'il y aura Polochon dans Ariel? Ah ouais, c'est possible voilà, qu'il ne soit pas. Voilà, d'abord, hein, bon. Tant qu'il n'est pas adulte. D'or, il sera pas d'or. Allez, à plus tard.